Aloha, ici Mehdi Pamtree, capitaine à bord des capsules. Bienvenue dans... Exterview. Salut fils. Salut, ça va? Ça va et toi? Tiens, j'ai un cadeau pour toi. J'espère que c'est comestible. Non, pas celle-là. Ça, c'est la fleur de Uncayal. Et ça, c'est pour frérot. Moi, ce que j'aime bien, c'est les granités. Ouais, granité, ouais. Ouais. C'est très bon avec une brioche le matin, petit déjeuner. Moi, je faisais ça dans le nord de l'Italie, au lac de Côme. J'ai rien vu du paysage à Genova, là. Ah, pas à Gênes, à Como. Bah ouais, mais tu sais qu'à Como, c'est là où ils ont inventé le fameux Como Esta. Commodore aussi, c'est le Commodore, c'est ouais. Qui a juste à côté. Dragon de Commodore, c'est vrai que c'est juste à côté de l'Italie, en bas. C'est attenant, c'est attenant. Je sais pas si tu connais l'histoire de la géode qu'il a construite, Buckminster Fuller. Ouais. Mais tu peux l'appeler Mister. C'est un homme, tout simplement. Et c'est un dôme géodésique, en fait. C'est construit sur la base d'un triangle équilatéral. Oui, ouais. Forme, plusieurs triangles équilatéraux mis ensemble qui fabriquent une géode. Si tu fais bien d'en parler, de comment représenter une forme parfaite. Et je m'étais dit que c'était certainement au départ un carré, parce que les angles étaient exactement parfaits, tu vois. Ouais, ouais. Et je m'étais fait chier à calculer en fait l'aire parfaite d'une forme parfaite. Du coup, ça faisait un carré, comme vous pouvez voir là. Et je me suis dit qu'après, en fait, c'était pas possible parce que ça avait quand même un sens à un carré et que tu pouvais le mettre dans ce sens-là. Du coup, ça faisait un losange. Alors, je me suis dit qu'il fallait la faire tourner très très vite en 3D, tu vois. Et créer comme ça un sens qui devenait à la fin un rond. Donc c'était un rond dans un carré. Je sais pas si ça t'inspire. Si, ça me parle moi de la cabale. Ouais, la cabale, ouais. Tout simplement. La cabale au fond du jardin. Non, la cabale sauce blanche.